running. Pretty strong, they are pretty smart, they are not wasting time, they are grouping up when they have to do. I'm not really sure what to expect against AA because they always manage to play these weird playstyles, they always play new heroes and they play a lot of heroes that are uncommon. If we have an advantage early game, which is always hard against a team of that caliber, we might like win the game, but we have to play early game perfectly against them. That's pretty much all there is. Alors c'est parti. Et tout de suite, Jarvan de prix, on banne la Sona de Keralus. Ouais, pas de Kha'Zix également. Ils l'avaient joué les AA pendant leur victoire contre les Sky Gaming hier. Pas de Kha'Zix, pas de Elise. Et du côté des AA, bah, comme ils l'ont dit dans leur interview, ils, en général on se focus de toute façon, contre les LG, on se focus sur Froggen beaucoup dans la phase de ban. Donc là c'est ce qui s'est passé. Oh, un Singed de noix. Alors là... Bah, c'est peut-être une réponse directe. Ils se disent peut-être qu'ils vont nous refaire un Taric jungle. Et c'est réponse instantanée à ça. C'était Beria qui avait joué le Taric jungle. Ouais. Genre parce qu'avec avec un double support, tomber un Singed, c'est franchement pas facile. Non, on va voir, ça va être rigolo parce que j'ai jamais vu Wickd jouer Singed. Donc de base, je trouve ça sympa en fait. Et Singed qui est très fort comme champion, très fort. On l'a vu aux IEM. Donc on va voir à... Et finalement, on va se mettre sur un Z. Et Thresh qui est encore open, qui n'a pas été ban. Et qui va être pris par Snoopeh. Par Krepo, pardon. Ouais, donc pick Thresh. Alors, bon, on l'a vu, hein, j'ai jamais été hyper convaincu par... on va dire les enfin je trouve pas forcément que Krepo soit un joueur de hook. Je crois qu'il avait déjà joué Thresh, il avait joué Blitzcrank également. J'ai jamais été très convaincu par ses hooks en général, Krepo. Donc peut-être que là il va me faire mentir, mais je pense pas forcément que ce soit un joueur que soit le mec le support le plus à l'aise avec les hooks. Donc on va voir là ce que ça va donner sur cette partie. On a un Z très fort. Je pense qu'on va vraiment le voir de plus en plus dans quasiment toutes les games. Parce que c'est si le personnage est pas trop mal dans sa game, c'est du one-shot de squishy. Quasiment assuré, c'est vraiment fort. J'aimerais bien que ça lock là. Les A qui me font rêver tout à l'heure, il y avait un petit Gragas qui avait été montré, un Panthéon, un Fiddle. Ah, le chat a vu, j'ai souri. Ah oh, mais non, voilà, c'est dommage, on était sûr. C'est dommage. Ça m'aurait fait tellement plaisir d'avoir une game avec ce genre de compo. Oh, et Tristana de pique, Tristana qui revient vraiment très fort à la mode noix. Tristana qui revient hyper fort à la mode, qui a un carry qui est de plus en plus plébiscité. Bah, elle a juste une range de folie en late. Et la nouvelle lame du roi déchu, c'est pas dégueu sur elle. Oui. Pas du tout, du tout. Voilà, pas mal de trucs. Et finalement, le champion est bon, hein. C'est un champion qui snowball vite, qui est assez safe. Et qui a la plus grande range des AD carry. Au niveau 18. Pas en early, mais au niveau 18, ouais, parce qu'en early, c'est Kate. Non, c'est un personnage qui est vraiment très dur à choper, hein, entre son jump et son ulti. Voilà, c'est vraiment compliqué quand on est un bruiser, même quand on a des jumps, hein, attraper une Tristana, c'est pas facile. En plus, quand elle a un flash, c'est... Graves. Ah bah, Graves Taric, on en parlait. Ah, c'est dans l'air du temps, hein. C'est comme une MF... Enfin, Graves Thresh. C'est comme une MF Thresh. C'est une capacité de burst scandaleuse. Ah, intéressant. Ils ont décidé de piquer un Malphite, les IG. Alors, Malphite, ils vont le jouer. Contre qui vont-ils le jouer? Est-ce qu'ils vont le mettre dans la jungle? Ou est-ce qu'ils vont le mettre sur la top lane? En général, c'est Wickd qui joue Malphite chez les Evil Geniuses. Donc ce serait un Snoopeh au Jarvan. On l'a vu le jouer hier contre les Dragon Bands, Noah. Il a plutôt été impeccable en teamfight avec son Jarvan Snoopeh. Donc ça m'étonnerait pas qu'il décide de refaire ce choix. Et Froggen qui pique un Z finalement. Z pas mal. Bon, bah Tristana, est-ce qu'elle va pouvoir... Ils ont choisi Tristana, un personnage burst, qui a une grosse range. Ils ont beaucoup de burst, les Evil Geniuses. Un truc que je me demande, c'est est-ce que l'ulti de Tristana outrange l'ulti de Z? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et enfin, ce sera intéressant. C'est possible que le temps que Z soit touché par l'ulti, il arrive quand même à lancer le sien. Peut-être. Va falloir voir, ça va être tricky. Mais en tout cas, ils ont choisi un personnage avec une énorme range en late game, justement parce que ils n'ont pas envie de se faire attraper par Zed. Et donc, Nono prend plus l'option barrière noix contre le Zed. On avait vu l'option fatigue du côté d'Osan, ça n'avait pas très bien marché. Là, on a vraiment un choix totalement différent. Nono qui prend un carré AD qui est très dur à attraper avec une barrière. On va voir s'il va avoir plus de succès face à un Zed. Ouais, je suis curieux, j'aime bien un petit Twisted Fate pour finir, chez les AA. C'est agressif en early game leur compo. Finalement, pas de Taric jungle. Ils l'ont fait croire. En plus, c'est Virtu4l qui avait piqué le Taric. Ils l'ont fait croire, noir. Et finalement, ce sera Taric Tristana qui est une lane pas dégueu aussi. Hein. C'est une lane, ça peut snowball. Je pense que c'est très bon contre ce qui est en face. Hein. C'est vraiment très bon contre ce qui est en face parce que. Eh bien, tu boost d'armure contre un Graves. Boost d'armure et surtout, cool. T'es Taric, enfin t'es Thresh, tu hook un Taric. Faut t'attendre à un petit retour de flamme. Donc non, et ça a du burst, hein, c'est burst contre burst. Donc c'est pas mal. Et ouais, j'ai l'impression que ça a changé. Si tu peux remettre l'écran. Tu veux ouais, parce que j'avais l'impression que c'était Froggen qui avait pris finalement Malphite. Ah. Ce qui serait... Ouais, c'est ok. Ça, par contre, c'est très différent. Enfin, ok. Froggen qui est... Enfin... Qui est là. Ouais. Du Malphite mid, un des seuls joueurs qui sortait vraiment au niveau, c'était Alexis. À l'ancienne, hein. À l'ancienne. Et du coup, Froggen qui le jouerait peut-être. Faut qu'on attende de voir. On va rentrer dans la game. On va voir ce qui va se passer. Mais et Twisted Fate de pique du côté des AA. Donc on l'a vu, hein, la dernière fois qu'il y avait eu un pic Twisted Fate chez les AA, ça n'avait pas été fou. Tu te souviens, ils avaient pris TP, ils s'étaient avancés, ils avaient mis une ward pour son Volibear qui avait un TP, au bleu adverse. Et après, ils avaient tenté des trucs avec Shlaya. Il avait mis au top. Il s'était fait ruiner au top. Est-ce que tu te souviens de ce tree dive? Non, pas du tout. Ah si, mais j'étais malade. Je vous ai regardé. Oui. Je l'ai regardé chez moi. Oui, non, c'est celle où j'étais un peu dans le mal. Oui, donc maintenant, je m'en souviens. Voilà, je me souviens de ce move. Donc Shlaya, la dernière fois qu'il a joué TF pendant ses LCS Europe, ça s'était mal passé. Ouais, c'est bien Froggen avec Malphite au mid, noir. Et donc, c'est Wickd qui va jouer Z. Bon, bah, les IG qui brouillent un peu les cartes. J'avoue que je ne connais pas du tout le Malphite de Froggen, qu'il va jouer au TP. Donc, il va essayer d'apporter la différence sur les lanes. C'est intéressant. On vous rappelle, hein, vous êtes sur Gaming. Bienvenue pour ceux qui laguent sur Twitch. Vous pouvez essayer. Il y a un stream Dailymotion sur Gaming TV. Et pour ceux qui voudraient discuter de la compète, il y a un forum et il y a un chat sur Gaming TV. Voilà, donc n'hésitez pas. Troll interdit, bien sûr, ou alors troll gentil. Alors, on va voir ce que vont nous faire les équipes. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un swap lane du côté des Evil Geniuses, là où les AA ont l'air de vouloir la jouer un peu plus classique, j'ai envie de dire. Twisted Fate qui va être joué, Shlaya qui va essayer d'apporter la différence sur les lanes. Et c'est pas mal, hein, parce que au bot, il a un stun facile avec Taric. Ça va ganker très dur Shlaya sur la bot lane. Au top, il a Renekton. C'est bien aussi un Renekton sur un gank Twisted Fate. Donc il peut avoir de l'influence dans la game, Shlaya. Il a du soutien sur ses lanes. Ça va être intéressant. Freddy qui va faire ses vrais, histoire de prendre l'expérience. La barrière qui a été prise sur Nono, hein. En face, il y a vraiment beaucoup de bursts. Je pense que ça va être dur de rester en vie, hein, pour Shlaya et Nono. Alors Nono, au moins, il a un jump et il a une range de psychopathe. Mais je pense que Shlaya, pour rester en vie, il va devoir jouer des pieds et des mains. Ouais, vu tous les moyens qu'il y a en face. Shlaya contre Malphite, Jarvan, Zed. Je pense qu'avec son Twisted Fate, il est mal. Moi, en tout cas, je me chierais dessus à sa place. J'adore jouer Twisted Fate, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et là, je me chierais dessus parce que honnêtement, ce qui est en face, c'est pas cool. Et ils ont pas du tout un support qui peut défendre, un carry. Donc il y a forcément, au début de chaque fight, il y a un AA qui va y passer. Un AA squishy, à mon avis, ça va être Shlaya. Alors on n'est pas souligné, hein, mes swaps de laine, mais maintenant ça devient. Si, je l'ai dit. Ça, tu as dit. Moi. Ça, voilà, ça devient l'habitude quand même. Et par contre, Thresh, je pense que ça peut bien deny. Hein. Ouais, alors du coup, tout simplement, hein, les IG qui décident de ne pas de ne pas laisser Zed affronter Renekton. On a vu dans la game précédente que Renekton avait quand même le dessus en général dans le match-up. Et on a vu aussi que Ocelot avait réussi à bien revenir dans la game. Donc Wickd qui prend la mid lane, Noix. Et on a un Froggen qui est bot. Donc vraiment les EG qui innovent dans cette partie par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir chez eux. Alors attention, le slow. Et rappelons-nous, Noix, il y a un petit passif, à savoir que ces deux équipes, pendant le dernier week-end de LCS, avaient joué et les AA avaient roulé sur les Evil Geniuses. Oui. Mais il leur avait roulé dessus. C'était une de leurs premières victoires. Et j'espère qu'ils vont réitérer l'expérience. Parce que moi, personnellement, je suis pro AA dans cette partie. Alors attention, Virtu4l qui se balade dans la jungle. Il vient éventuellement contrer un tree dive. Snoopeh qui est là également. Les AA qui ne savent pas qu'il est dans leur jungle. Snoopeh, on a un petit coup de lag. Et les Evil Geniuses qui arrive sous la tour, et vous étonnez pas du timing de Virtu4l hein, pour décider de venir sur la top lane. En général, on trida et font sous la tour, donc il est présent au bon moment, il a un bon timing, je pense. Attention, Jarvan qui en fait des frais, qui va être obligé de flash, mais est-ce que ça va suffire? Il est mort. Je ne crois pas. Les atouts, il va prendre le kill. First blood. Shlaya qui s'est vraiment défendu comme un lion en dessous de sa tour. Oui, il est mort, mais il a pris le first blood. Et alors attention, Noir, parce que quand même en face, Wickd maintenant, il a pris un kill, il est à avoir de l'avance au goal. D'ailleurs, tu vois la réponse de Shlaya. C'est pas Wickd qui a pris le kill. C'est Snoopeh. Ah ouais, Snoopeh qui a pris le avec le red buff alors. Qui a pris le kill. Et ouais. Donc du coup, justement, Wickd, il a plus de farm. Hein. Il lui a mis quand même 14 creeps. Il commence à se mettre bien. Et réponse instantanée de Twisted Fate. Hein. On commence le Zonia. Donc paf, son petit item va lui permettre d'accumuler de l'armor et d'être moins sensible. Donc je pense que c'est bien ce qu'il fait. Oh, les dégâts qu'a pris Froggen en très peu de temps. Ça va être marrant aussi de voir l'itemisation de Froggen. Est-ce qu'il va partir sur de la Doran, une cape solaire de l'armure, je pense. Ouais, sans doute qu'il va faire une cape solaire. Je sens vraiment que de l'armure, après quand on va le laisser tranquille et qu'il va vouloir push rapidement pour rattraper son retard, la cape solaire ça lui fera beaucoup de bien. Alors attention, oh il y a la pink ward, elle est sur la fin en plus la pink ward, c'est moche pour les EG. Snoopeh qui était venu soutenir Froggen contre un éventuel tree dive et du coup sanctionné immédiatement, plus de map control pour Froggen qui est sous sa tournoi, qui galère et ouais un 2v1 sur la bot lane, c'est pas la même que farmer au mid hein. C'est un autre monde, j'ai envie de dire. Attention, on se dirige de nouveau vers une défense à 2 sur la top lane du côté des AA. Virtu4l qui vient de nouveau soutenir. Tu remarqueras, Noah, qu'à chaque fois quasiment que les EG sont sous la tour avec des creeps, Virtu4l essaie d'arriver. C'est des très bons timings parce que c'est le moment où ils peuvent push, où ils peuvent dive. Et donc, il essaye vraiment de s'orienter dans la jungle à ce moment-là. Et comme ça, en plus, d'accord, Freddy va pouvoir faire son back. Virtu4l qui va en profiter pour défendre et pour récupérer un peu d'XP. Ouais, et Snoopeh il continue à se balader, il aime bien ce coin d'Everest, hein. Mais il a été vu, il a été pingé et du coup Renekton qui arrive en catastrophe là, Freddy, pour essayer de compenser le tree dive qui pourrait peut-être avoir lieu. Bon, Virtu4l quand même. Il n'a pas les creeps. Bref. Bon, Virtu4l est pas 6. Virtu4l est pas 6, ouais, donc là ça se joue, Après dive un Nasus qui est niveau 6, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que Shlaya va se reprendre un gank et il n'a pas le flash. Ouais, et c'est Jarvan. Alors, et Shlaya est très méfiant. Il se dit non, il a pas du back. Snoopeh, ne me la fais pas à moi, tu n'as pas du back. Et ça ping du côté des AA. Il s'en doute que Jarvan est là. Il s'en doute qu'il veut essayer de gank. Il y a Virtu4l qui arrive au mid avec son Nasus. Ça push sous la tour en haut. Et la tour qui va sans doute tomber. C'est la première tour de la partie qui va tomber. Attention, on a un gank. Et oui, Shlaya, tu t'en doutais. Tu es mort. Voilà. Il s'en doutait, mais après, que faire parce que il a vraiment squatté à côté Snoopeh qui aime bien camper. Pendant ce temps-là, les AA qui prennent la tour du bot au Malphite de Froggen. Froggen donc qu'est-ce que ça donne d'ailleurs l'écart de farm entre les deux solos, enfin on va dire entre le Malphite. D'ailleurs, il a fait un truc bizarre là parce qu'il a mis Froggen à la place du top. Bon, OK, pourquoi pas. Regarde l'écart au gold, enfin regarde l'écart au farming mid, Noix. Ça commence à devenir énorme. Shlaya qui prend très très cher contre le Z, hein, mais c'est normal. Il pouvait s'y attendre et il a pris Twisted Fate en connaissance de cause. Hein. Il a pris en last pick. Et franchement les EG qui font le taf, j'ai envie de dire, sur ce Twisted Fate qui donne une belle avance aux Z. Je pense vraiment qu'il n'a pas assez considéré qu'en effet c'est Z en face, mais aussi un Jarvan Jungle. Ouais, ça gangue vraiment dur, c'est une horreur. Avec Twisted Fate, franchement, Jarvan Jungle, ça te fait un peu des frissons dans le dos. C'est une horreur. T'as vraiment pas envie de taper ce genre de jungler. Alors que Nasus, bon bah il est pas assis, il est vraiment Zed, il est complètement safe contre Nasus. Oh oui, parce que un petit TP sur son ombre vite fait vers la tour, il y a peu de distance entre le milieu de la mid lane et la tour, donc il est très vite safe. En plus il a un flash au cas où, donc non c'est sûr, Wickd avec son Z est vraiment tranquille, il est tranquille. Et à côté de ça, ben, Shlaya, il est en galère, il se fait totalement outfarm en face Z à Duki. Et donc Shlaya, du coup, qui va sur la bot lane, moi j'ai l'impression. Est-ce qu'on va avoir un swap? Il est un peu tardif de la part des AA. Parfois on dit mieux vaut tard que jamais, mais je suis pas sûr que Tristana et Taric puissent vraiment deny Z maintenant. Il me semble que c'est un peu tard. Et en fait, c'est le problème avec Twisted Fate, c'est quand tu prends... Quand tu te prends un gros counter, tu peux même pas dire Twisted Fate, je vais... Oula, un gros pixel. Tu peux même pas dire Twisted Fate, je vais le swap de lane. Parce que il est mal partout. Enfin, Twisted Fate, c'est mid lane ou c'est nulle part. Attention, Yellow Pete qui se fait stun et pas de combo avec la gold card de Twisted Fate. C'est quand même spécialement faible en lane, hein, Twisted Fate. Ouais. Contre ça, tellement de counter. C'est hyper faible en lane. Et Shlaya, bah, c'est pour ça qu'il aurait besoin qu'on lui remette son ulti. Ils l'ont balancé au bot, Shlaya, mais il se retrouve encore en 2v1. Qu'est-ce que tu penses de ma suggestion? Il est très faible en lane, c'est pour ça qu'on devrait lui remettre son ulti global. Oui, bien sûr, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Il y a Monsieur Dryot, hein, si vous m'entendez. Apparemment, il est pas assez faible. Attention, on a un ulti de toutes les... Oh, il met tout. Regarde Wickd. Wickd avec son Z qui se croyait impuni. S'il arrive à se casser, ce serait génial. Mais non, d'accord. Ils lui mettent tout. Ils vont tout lui mettre. Ils vont peut-être essayer de défendre le Drake. Sneaky. Ils vont réussir à faire un Drake. Ils vont se barrer. La petite lanterne de la part de Snoopeh qui a failli nous faire une Vinced. À savoir que Vince ne... il ne sait pas utiliser la lanterne de Thresh. Il n'arrive pas sous la pression. Hein. Faut vraiment qu'il y ait personne autour de lui pour qu'il clique dessus. Ouais, faut que ça ait aucun enjeu et que ça serve à rien pour qu'il clique dessus. Et les AA, gros gang de leur part. Le problème, c'est qu'ils ont mis beaucoup, que les IG ont réagi instantanément en faisant un Drake noir. Est-ce que les AA vont pouvoir prendre cette mid tower? Attention Snoopeh, tu n'as plus beaucoup de points de vie. Alors, tu peux te faire dive sans tiep. Ils vont prendre la tour du mid. Ils vont se venger. Allez, petit bugshot. Est-ce que tu vas arriver à défendre? Non, ça va tanker, ça va prendre la ligne. Et alors Renekton commence à prendre un peu d'avance sur Malphite, hein. Plus 20 creep pour le croco au top. Là du coup il est bien dans son match-up. Malphite qui est vraiment à la bourre. Il a une ceinture du géant, mais il a pas encore beaucoup d'armure. Ouais, donc il va partir sur Cap Solaire. Alors on va voir, hein. On va voir, mais je reste, on va dire, confiant en quelque sorte pour les teamfights des IG, parce que ils sont obligés de sortir Twisted Fate instantanément, je pense. Je vois pas trop d'autres alternatives en fait. Et après pour Tristana on verra, ce sera pas forcément pareil. D'ailleurs ce sera intéressant de voir, hein. Est-ce qu'ils vont tout mettre sur Twisted Fate? Je pense que Jarvan plus Malphite ça suffit. Je pense qu'il devrait garder Z pour Tristana. Z, tu le lances sur Tristana et tu burst un coup. C'est un peu tu as plusieurs missiles scud, missiles balistiques noix, et tu les lances sur les différents objectifs. Bon, bah une game qui s'annonce vraiment intéressante. J'attends les teamfights avec impatience parce que je pense que va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce que les AA vont réussir à gérer tous ces jumps de la part des IG? Je sais pas. Et les IG qui jouent un truc hyper particulier, hyper différent de ce qu'on a, de ce sur quoi on a l'habitude de les voir évoluer. Revenu dans la game. Alors, voyons voir ce qui se passe. Les Evil Geniuses qui vont pouvoir prendre cette tour du bot. Les AA qui pourtant étaient très bons dans la défense de tour depuis le début. Virtu4l était vraiment présent pour compenser, pour aider sur la défense là avec son Nasus. Mais sur ce coup-là, les AA ont laissé échapper cette tour sans opposition. Attention, on a un trap effectué de la part des IG. Oh là là, c'est sneaky. Virtu4l il va y passer. Virtu4l là il va se prendre un bon gros burst. Wickd qui est en train de jouer avec ses couteaux. Oh, il met tout. L'ulti qui est claqué. Ah il est pas bien. Virtu4l. Oh ouais, bon un peu d'overkill là peut-être. Non bon de toute façon ils en ont pas plus besoin que ça. Faut défendre au mid par contre. Hein. Faut voir. Alors du coup, les AA qui étaient sur la mid lane, c'est parti, on a un TP de Twisted Fate, Freddy qui dive. Oh, Yellow Pete qui est pas bien. Yellow Pete qui utilise sa barrière, mais ça ne suffira pas. Les bons dégâts de Shlaya derrière, pendant que le crocodile était en train de tanker. Krepo a laissé son carré AD, du coup, qui dit pas de support, dit pas de chocolat. Voilà, t'es un support, t'es pas avec ton carré AD, allô. Et du coup, Yellow Pete qui y passe. Bon, Krepo ne pourra pas défendre cette tour du top. Et en attendant, moi, les IG, le duo infernal des IG, à savoir Wickd et Snoopeh, est en train de prendre la tour et la prise d'ailleurs. Ça reste quand même très équilibré, hein. 200 gold d'écart, ça bouge pas mal, hein. 3 tours de chaque côté par contre, en termes des objectifs, ils se sont énervés là, chaque équipe. 3 tours de chaque côté d'ailleurs. Bah, la première rangée à chaque fois. Oui, la première rangée qui est tombée, enfin... Non, pas celle du mid, les deux, voilà, c'est les deux du bas pour A et pas celle du mid. D'ailleurs très bon, hein, la lane du bot qui a été totalement clean par les EG, c'est la meilleure lane pour contrôler Nashor. Enfin, je veux dire, quand elle est push pour les opportunités de Nashor, c'est la meilleure. Après, les A ont un Twisted Fate, donc logiquement, ils peuvent pas trop se faire prendre en revers. Le split push, c'est chez eux. Mais attention, hein, parce que Shlaya, s'il décide de split push, il va... Enfin, en fait, que les EG qui mettent Zed, qui mettent Malphite ou qui mettent Jarvan, il est dans la merde, Shlaya, donc il va falloir qu'il soit très les ombres jumelles, ce serait pas un mal sur Shlaya. S'il veut speed push, là il part sur de l'armor, ce qui est logique vu comment il a pris cher. Il a beaucoup de retard de farm en plus, hein, donc peut-être que la Kage pourrait l'aider à se remettre bien au niveau du décompte des golds dans la game. Il a pas choisi cette option, il a pris très tôt les bottes de Doufoyer. Je pense que c'est vraiment un must en early game sur Twisted Fate. Je pense qu'il faut prendre cet item très tôt. Légi qui décide d'invade, peut-être un push au top, il y a ça push sur la botlane. Fait shake, French shake de la part de Freddy qui se fait totalement instantané. Non, c'est le crocodile, tu n'instantes pas un crocodile et c'est parti la feuille. Freddy, ils arrivent pas à le tuer, ils lui ont mis jump de la part de Nono. Krepo qui est dans la tourmente, Krepo qui se fait choper par Nono, double jump. Et pas de triple jump de Nono, mais ouais. Freddy qui a tellement résisté. Le TP, allez, Snoopeh qui se donne histoire d'eux parce que de toute façon il n'avait pas de façon de s'escape. Excellente fight de la part des AA dans leur jungle, mais à côté de ça, Noah, ce qu'on n'a pas souligné, c'est que eh bien les Evil Geniuses ont décidé de push Wickd qui est sur la botlane, qui fait très mal. Ouais, mais ça va être Froggen qui push également au top. Il prendra pas la tour, mais ouais, ça décide push, mais voilà, ils vont perdre la tour au mid. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne opération DA. Mais oh, ils ont mis tellement pour essayer de tuer Freddy, ils ont pas réussi, c'est dur. On dit souvent, hein, ne pas focus de tank. Après là, vu le face shake qu'a calé Freddy, ils étaient obligés d'essayer de le tuer, mais ils l'ont bien soutenu les A. Puis enfin... Et c'est dommage, je trouve qu'ils aient mis la fatigue sur Freddy aussi. Je sais pas pourquoi la fatigue sur Freddy de la part de Krepo. Ils voulaient pas qu'il se casse peut-être. Ouais, moi je trouve que ça avait pas forcément de justification sur le coup. Et du coup, Nono, il a eu tellement 3 secondes de free DPS. Oui. Et derrière, il y avait Twisted Fate qui avait TP et qui a calé le trip parce que non, ils étaient tous... Parce qu'il a TP pour achever Snoopeh. Non, il était venu. T'as raison, et ouais, en plus, enfin, Twisted Fate, hein, quand les gens sont calés, sont paqués comme ça dans un buisson, tes atouts, c'est juste du pain béni, je t'envoie, ça traverse tout le monde, Gambit style, et voilà, franchement, beau fight de la part des A, belle réaction, et les EG, peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois la prochaine fois avant d'essayer de détruire le Renekton. On l'a pas souligné d'ailleurs, non, hein, mais les AA qui ont choisi de pick Renekton plus Nasus, à savoir 2 personnages qui sont hyper tankés très tôt dans la partie. Les 2 ultis qui font des dégâts en zone, les 2 ultis tu les claques en plein milieu avec des capes solaires. T'en mets un des 2 avec une cape solaire, il y a moyen de te marrer en termes de dégâts haut. Ça fait des dégâts de ouf et surtout ça rend ces deux personnages qui ont des capacités de tanking. Freddy qui essaie de les prendre à revers, mais par contre là Freddy il est tout seul, il n'y a personne pour le défendre. Wickd va peut-être essayer d'y aller. Ah, attention, on a un ulti de la part de Jarvan, Nono est free DPS derrière, mais est-ce qu'il a assez de DPS actuellement? Froggen est là, Nono fait mal et ça décide de disengage. 1 pour 1, ils sont low life là, les 1 pour 0 pardon. Et Wickd qui a essayé de revenir, il cherchait, il a pris la lanterne pour se replacer, etc. Ouais, mais tu sentais qu'il avait pas non plus envie de... Enfin, il avait pas non plus envie de mourir. Il a claqué son ulti quand même dans la fight, mais il a pas vraiment eu... peut-être qu'il a claqué sur Freddy, j'ai un doute. En tout cas, Freddy qui est mort, il est tanky Freddy, mais il y est passé quand même. Oh, ça va être intéressant. Tentative de Nashor de la part des AA. Shlaya qui est sur le côté, il va pouvoir burst Yellow Pete. Voilà. Okay. Ça s'est pas passé comme il voulait. Ok. Ça s'est pas trop passé comme il voulait. Bon, on sait pas ce qui s'est passé. On est désolé, hein, c'est... Bah, le stream qu'on nous fournit a eu un petit moment... Il a eu une petite chute de tension, et d'un coup, ça s'est accéléré. Bon, bah du coup, on sait pas du tout comment s'est passée cette fight. Pas bien pour les A. Tout ce que je vois, c'est que Yellow Pete a toujours sa barrière et quasiment... Enfin, il a encore beaucoup de points de vie alors qu'il était sous la pression Shlaya. Et qui sait, j'extrapole carrément, Shlaya a sorti une blue card. Ouais, c'est l'image qu'on avait, mais c'était encore en train de tourner. Je pense qu'il a sorti la gold, mais je sais pas. Après, les AA étaient en 4v5, Noah, donc c'est ce qui a dû faire la différence, sans doute. Bon, bah, ça sert à rien de toute façon de faire des plans sur la comète. On n'a pas vu vraiment ce team fight à cause de cette petite baisse de tension du stream. Et c'est parti. Les AA qui de nouveau engage ce Drake. Il y a une ward du côté des EG, donc ils le savent très bien. Ils le savent. Après, il y a pas Malphite, Thresh qui est un peu loin. Ok, le Drake... Bah, bon, qui a été pris. De nouveau, le stream qui a eu un coup de lag. Et donc le Drake qui a été pris et il défend de la tour Wickd qui s'est fait choper, qui est obligé de se casser Wickd. Là ça fait... Keralus c'est bon dégâts et l'ulti de Yellow Pete. Là la grosse Bertha qui est balancée de très loin et qui implose l'armure du chevalier au gemme. Et du coup c'est parti, les EG qui vont essayer de prendre cette tour. Ils infligent de bons dégâts tandis que Froggen essaie de steal le red buff dans son coin. D'ailleurs Froggen a toujours à son ulti noir, donc attention, les EG ont des possibilités de teamfight tandis que Shlaya est en train de push sur la bot lane. Virtu4l qui va constater que son red buff a disparu et Froggen qui se casse, qui prend ses jambes à son cou. En attendant, Nono qui free farm, mais il n'a pas réussi à distancer Graves qui est très bien, qui est à 4-2, qui a sa soif de sang sur... on voit pas souvent de Graves, mais je pense que soif de sang sur Graves. Très bien. Très bien. Pour le burst, hein, c'est vraiment le caster AD. C'est vraiment très bien. Ouais. Et du coup, ben, les EG qui sont un peu devant dans cette game quand même. Hein. Pas énormément, mais voilà. Alors attention, en face, il y a un des meilleurs carry AD en late. Il y a une Tristana, il y a un Nasus. Mais je sais pas, je pense que la game va être très disputée, hein, parce que vraiment les EG ont tellement de possibilités d'instant des pop en teamfight que voilà, il va falloir... La faiblesse, elle vient du Twisted Fate, hein, qui peut se faire instant, tout simplement. Bon, il va avoir, quand il aura son Zonia, ça ira un peu mieux. Mais pour l'instant, c'est vraiment un poulet sur pattes. Le truc qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir bait des ultis adverses ou des jumps adverses. Shlaya avec son Zonia, donc c'est vrai qu'il faut qu'il le finisse très vite. Je pense que c'est important dans cette game que Shlaya finisse très vite son Zonia. Parfois avec Twisted Fate, faut finir très vite le fléau de la liche. Parfois le Rabadon, parfois les ombres jumelles, parfois le Zonia. Ça dépend vraiment, il faut s'adapter. Et là, pour le coup, je pense que Shlaya devrait finir très vite son Sonia, ouais. Et tu remarqueras d'ailleurs, Noah, que Shlaya est très loin au farming derrière le Z. Bah, donc, ça se confirme. Il s'est pris des lanes pas top, hein. Puis après, quand il a décidé de swap, il s'est repris une duo lane. Il s'est fait massacrer par Wickd en début de partie. Il s'est fait vraiment massacrer. D'ailleurs, c'est marrant, un Wickd qui sort des boosts de Berserker. Il nous en avait fait hier avec son Renekton. Là, il en fait sur un Z plutôt que de faire des Mercury, par exemple, parce qu'il y a quand même il y a du stun en face. Il y a du stun, ça aurait pas été illogique de faire des Mercury. Et non, il choisit des Berserkers pour pouvoir infliger encore plus de dégâts pendant le petit timing d'accumulation de dégâts de son ulti. Donc pour enchaîner les auto-attaques, ouais, tout simplement. Ça permet au proc de faire plus mal, plus ical de dégâts. Donc voilà, une ou deux auto-attaques en plus, ça peut faire la diff parfois. Donc c'est un choix qui est intéressant. Moi j'aurais peut-être Keralus qui se prend à faire par la partie, le TP de Twisted Fate, il veut juste avoir la vision. Il veut savoir où il reste, quelle quenelle les attend et où. Ouais, alors du coup plus du Twisted Fate, donc une mobilité moindre, hein, pour Shlaya en teamfight. C'est parti, les EG, il reste plus beaucoup de points de vie sur cette tour. Elle est appétissante, Noah, elle donne faim cette tour, mais vont-ils vraiment pouvoir la prendre là tout de suite? Je sais pas, Froggen qui se fait plaisir, ouais, hein, qui push les autres lanes, il a bien push au mid, il a bien push au bot, et à mon avis cette tour qui va tomber, ils savent qu'ils ne sont que c'est du 4 contre 5. Il a sa cape solaire, hein, donc il push très bien, en plus avec son choc au sol ça va très vite, il met la pression sur cette bot lane qui voilà, il reste la tour de l'inhibiteur. Donc pour les AA, c'est on va dire c'est non négociable. Il faut défendre. Tu peux pas laisser passer cette tour. Il faut la défendre absolument. Donc c'est Shlaya qui va bouger. Alors attention, peut-être qu'ils veulent attirer Shlaya pour le dive. Ça va être intéressant. Ils ont aucun intérêt à engage, sachant que ça split push au bot. Il faut juste qu'ils les gardent ici. Et Twisted Fate qui va être obligé de décaler. Et là, par contre, c'est le bon moment. Froggen va-t-il essayer de tout lui mettre? Non. Je pense pas non plus. Je pense que c'est risqué. Je pense qu'il n'a pas assez de dégâts. Mais bon, En tout cas, il peut maintenir tout, et en plus, là, il va empêcher Twisted Fate de TP. Si jamais, ils essayent de poke, hein, ils essayent d'en mettre un peu bas en vie de l'instant. C'est Freddy qui prend tout depuis tout à l'heure. Et Shlaya qui a back, qui va prendre donc. Ok. Shlaya qui a ses home guard. Hein. Donc il revient très vite et il décide de mettre la pression à Froggen. Alors attention, il lui cale quelques bons dégâts, mais Froggen va vite, il a un slow. Ça se passe bien, voilà. Bon, speed push avorté, on va dire, du côté des IG. Attention, les IG qui tombent finalement, ouais. Voilà, les IG qui vont prendre la tour. Et voilà, connaissant les IG, j'allais dire, ils sont contents, ils ont eu leur petit bonus et ils s'en vont. Ah, ils sont minutieux les joueurs des Evil Geniuses. Et là, voilà, ils ont pris la tour tranquillement. Ils ont réussi à déporter Shlaya sur le côté, à attirer son attention. Ils ont fait quelques dégâts à la tour du bot. Non, ça va, je pense qu'ils peuvent être contents de leur opération. Franchement, Shlaya, ouais, il l'envoie pour des pushes, mais voilà, c'est laborieux. Il a dû passer 2 minutes à essayer de faire partir Froggen. Ouais, il a dû arriver en courant, en faisant des grands signes. Et je sais pas s'il a crié pour essayer de l'effrayer. Mais en tout cas, bon, Froggen a mis du temps à déguerpir. Et Froggen revient dans la jungle des AAA. Il va placer quelques wards. Allez hop, on prend du map control assez offensif du côté des IG. Ça annonce la couleur. Hein. Ils ont envie de prendre des fights. Ils ont un Malphite. Ouais, enfin, de toute façon, ils ont Malphite, ils ont Jarvan. Ils ont l'initiation de leur côté. Ouais, puis je pense qu'ils sont bien dans leur game, hein, ça se voit, c'est eux depuis tout à l'heure, donc qui mènent le jeu. Là, il y a un petit Drake à faire qui va être défendu, mais voilà, on fait le Drake, on split push, non, Malphite qui va revenir aussi, non même pas, voilà. Oh, attention, Keralus qui se fait attraper. Oh là là, il y a un TP. Il y a un TP sur la ward également. C'est Froggen qui arrive. Froggen. Froggen va-t-il caler un bon ulti? Attention, monsieur l'observateur. C'est Nasus qui est dans la tourmente. Et oui, il va ulti. Il va ulti sur Shlaya qui va s'en sortir. Oh papa. Shlaya qui se fait chaise. Shlaya qui se fait chaise. Et Wickd par contre qui est dans la tourmente. Wickd qui va réussir peut-être à se barrer. Oui. Et c'est la Bérésina 4 qui reste plus virtuelle. Ah, mais c'est moche que Keralus se soit fait engage comme ça, se soit fait attraper. Flash shout de la part de Virtu4l qui évite le bump de Snoopeh. Ils vont prendre cette tour et voilà, et Shlaya qui se fait chasser. C'était risqué de prendre TF avec tout ce qu'il a vu. L'ulti Froggen, il s'est barré, derrière il s'est pris l'ulti Jarvan, il a flash out et derrière il se prend Z dans la tronche. Le problème avec leur choix de TF, c'est qu'ils auraient dû le babysit au mid avec un jungler. Franchement, un jungler style Xin Zhao, ils auraient dû essayer de le babysit. Ils sont partis, gros. Ils sont partis. Shlaya, tu ne ramasseras pas de kill. Franchement, ils auraient dû essayer de le babysit. Là, c'est le contraire. Ils ont pris un pick qui est faible sur la lane. Et en plus, contre un pick qui est plutôt fort, qui est Zed. Et en plus de ça, Shlaya s'est fait camper par un jungler qui est vraiment une horreur, qui a énormément de dégâts, qui a une grosse capacité de gank, qui est Jarvan. Et donc forcément, il faut qu'il soit plus attentif avec ce Twisted Fate. Franchement, c'était l'aspic et je pense que c'était pas le bon choix. Et c'est dommage comme ça d'avoir... Ou alors tu piques pas ce jungler-là, quoi. Tu babysit le Twisted Fate mid. Hein. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé Shlaya tout seul. Et là, ça se sent. Voilà. Alors là, les IG qui prennent un Drake en plus, qui se mettent de mieux en mieux dans cette game, qui ont commencé à creuser l'écart. Il y a maintenant 4K gold. 4K gold. Ça commence à faire pas mal. Et surtout, Graves, il est très bien. Graves, il est pas ennuyé du tout. Vraiment, il a du stuff. Lui, il est tanky. De toute façon, et il a Nasus et Renekton qui peuvent venir, mais c'est pas grave, il y a un ulti Thresh, ça permet de temporiser, et pendant ce temps-là, les trois personnages qui ont des jumps chez les IG ont fait le ménage dans les rangs des carrés des A. Les trois bourrins des G là, Zed, Jarvan, Malphite, au moins eux ils clean rapidement ce qui est en face. Hein. Ils sont bons les pings des IG, les pics pardon, pas les pinks des IG. Je pense qu'ils sont très bons. Bah d'ailleurs, je crois qu'au début de la game, on a dit qu'on préférait la team des IG. Globalement, je préfère dans l'originalité la compo des A, mais oui, la team des IG est très forte. Ouais. Et Nono qui n'a pas eu d'impact dans le teamfight précédent. Il n'a pas réussi, il s'est fait tuer finalement, il n'a pas réussi à kill. C'est vrai qu'il avait pris tout à l'heure un triplé, il me semble, ou un doublé. En tout cas, quand la fight s'était bien passée, quand les IG s'étaient commit dans la jungle des AA. Je vais dire qu'il a pris un doublé, sachant qu'il a 2 kills. Ouais. Ok, tu prends pas de risque, c'est bien vu, c'est une bonne intervention, je pense. Et d'ailleurs, il commence à faire des points de vie, Nono. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne suis pas sûr. Twisted Fate, il a son Zonia. Il a son... Oh là 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 là. Taram, taram. What? Okay. Ça suffit, ok, ça suffit. Ah bah bon. Non, ça suffit pas. Le TP panique, panique button, Shlaya style. Ouais, je sais pas pourquoi il a TP là, il a dû paniquer. Je crois qu'il y croyait pas. Il y croyait pas. Il s'est déjà vu mort. Je pense qu'il a paniqué. Je pense qu'il a paniqué le petit Shlaya. Bon bah c'est dommage parce que là du coup ça fait un kill gratuit pour Zed. Zed qui instant Twisted Fate. Hein. Vraiment là, vous en avez eu la preuve. C'était, il y avait juste. Rien et à du faire. Coup, ben, ils se font push et ils vont peut-être perdre leur tour au mid. Qui décide d'attaquer la tour. Attention, double jump de Freddy. Et il va toujours au milieu. J'ai l'impression Freddy. Krepo qui prend des hits de la tour. Krepo qui prend cher. Le petit dot de Tristana. Mais ils y vont les G. Ils ont peut-être envie de prendre cette tour. Froggen qui tank très bien. Attention, peut-être en haut. Snoopeh qui loupe ses combos. Freddy qui se fait où? Freddy qui se fait instant. Et par contre, tout ça fait qu'il est revenu avec les boots de mobilité. Ça peut peut-être faire la différence. Il y a eu un coup de lag. Disengage de la part des Evil Geniuses. On a Yellow Pete qui est là avec son Graves. La tour qui n'a plus beaucoup de points de vie. Il y a des opportunités là pour les IG, mais ils décident de lâcher l'affaire. Ils ont quelques joueurs qui sont low life, donc on joue la sécurité, noix, et on va back à la base, histoire d'acheter quelques items. Oh, et Malphite, c'est marrant, Malphite qui joue vraiment ouais, beaucoup d'armor, un abyssal. Ok, je pense qu'il fait un bon stuff. Ouais, non, vraiment, puis il est assez tanky pour pouvoir rentrer dans le tas. De toute façon, là, ils sont tous bien. Hein. 3-0, 3-2 Jarvan. Ils ont beaucoup d'assists tous. Hein. Ils ont bien joué en team. Zed, il a surfarm. Il a toujours 100 creeps d'avance sur Shlaya. Ah non, ils ont 5 cagoles d'avantage à 30 minutes. C'est pas dire que c'est la fin de la game, parce qu'en général, on dit que c'est la fin quand il y a 10 cagoles. 5 cagoles, c'est remontable, mais c'est tellement dur. Et surtout, Shlaya qui ne peut rien faire. À chaque teamfight, il se fait éclater. Ouais. Et en plus, si c'est Z qu'ils envoient au split push, ça va pas être facile pour Shlaya. Ça va pas être... en fait, ils peuvent pas envoyer Shlaya défendre contre le Z. C'est horrible. Non. C'est horrible. Il faut envoyer Renekton. Je pense qu'il faut envoyer Renekton ou Nasus, peut-être. Nasus, ça peut le faire, à mon avis. Mais bah, on va voir comment les AA vont gérer. Mais la situation paraît vraiment compliquée. Pour l'équipe française, je sais pas trop s'ils vont pouvoir revenir dans cette partie. Ça va être très très tendu. Alors les IG qui mettent la pression, ils sont en train de steal le blue buff des AA. Ils s'installent dans la partie. Ça sera pas défendu de façon. De map des AA. Là, je sais pas. Pour les AA, je vois pas quelle est la solution. Réussir à défendre, à faire une défense héroïque et à contrer, genre réussir à temporiser Nashor. Mais une défense héroïque contre tant d'engage. Franchement, je vois vraiment pas quelle est la porte de sortie des AA. Ouais. Et Keralus sans sa Sona, bon, du coup il a moins d'impact dans la partie aussi, je trouve que son Taric n'a pas vraiment eu d'impact de base. Là où Sona, bon c'est pas pareil, mais le ban a été intelligent du côté des IG, hein. Ils l'ont ban sa Sona à Keralus, donc c'était bien ciblé et ouais je trouve qu'il a un peu moins d'influence là dans cette game. Et du coup là toutes les lignes qui sont push, le speed push de Malphite hein, qui a son TP au top, qui va essayer d'être défendu par Shlaya, mais pareil, hein, je pense que Shlaya, là Malphite il est beaucoup trop tanky pour lui, il peut pas faire grand chose. Non, il va pas lui infliger beaucoup de dégâts, ça c'est clair et net. Shlaya qui a ses home guard, hein, qui du coup essaie de faire des va-et-vient entre le spawn et les tours. Ça défend très bien les home guard. Et les AA devraient tous s'en munir, je pense. Ah, ça lui fait rien. Il fait que dalle. Il fait pas de dégâts. Il fait pas de dégâts, Shlaya. Il est pas bien dans sa game. Hein. Il est à combien? 2-5-2. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile pour la PMI de français. Attention, c'est parti. Jarvan engage. On a un TP de la part de Malphite. Ça va faire extrêmement mal dans le tas. Oh là 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 là. Attention, et Malphite qui a pas TP. Qui a peut-être été comme Wickd qui est au milieu, Wickd qui fait tellement de dégâts, et Shlaya qui TP en plein milieu, Shlaya qui TP sur tout le monde et qui arrivait un peu tard, et oui ça va vite, Nono qui score un double kill et qui s'en sort, c'est pas mal peut-être ce qu'ils ont fait, les AA, ils arrivent à tomber 3 membres des IG, le problème c'est qu'il y a un Froggen et un Wickd qui ont encore pas mal de points de vie, alors il reste Shlaya, il reste Nono, allez Shlaya prend les home guard peut-être, non il est pas au spawn, c'est dommage, j'aurais peut-être pu tuer Wickd, je sais pas trop, mais ouais, ils s'en sortent bien. Bah en fait, je pense que là, Shlaya, pour le coup, on n'a pas vu exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a stun Malphite au moment de son TP. et qu'il a TP instantanément derrière dans la fight. Donc je pense que cette tempo de Shlaya a apporté beaucoup au AA et leur a permis, bah, parce que là honnêtement si Malphite mettait l'ulti au moment du... c'était fini. Je pense que la fight est tournée carrément à l'avantage des IG. Là Shlaya a fait un très bon taf en stoppant le TP de Malphite et en utilisant son TP après derrière dans la fight. Ça permet à son équipe de rester un peu dedans, de pas sombrer, et c'est bien pour les AA, mais est-ce qu'ils arriveront toujours à faire ça? Je sais pas trop, on va voir. Les IG gardent un gros avantage dans la game. Et alors le stream qui va revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais voir s'il y en a un qui marche directement pour vous éviter le temps d'attente. En attendant... bah voilà. Oula, c'est il y a longtemps. Non, c'est il y a longtemps, il est en retard celui-là. Tiens, on va le mettre en direct. Et en direct. Bon, bah, je sais pas ce que vous pensez de cette game, honnêtement. Ah là là, le pick Twisted Fate, hein. Tu peux le pick, mais c'était dangereux de base. Et je pense que les AA l'ont très mal accompagné pendant la phase de laning. Et du coup, ben, ça se pécache, ça se pécache. Là, il a réussi à avoir de l'impact dans la fight précédente, Twisted Fate, mais il n'est pas pris pour avoir un impact de ouf en fight. Twisted Fate, il est pris pour contrôler la map et pour avoir un impact en early mid. Là, on commence à passer le mid-game. On avance doucement vers le late et il va avoir de moins en moins d'impact. Surtout qu'il a mal farmé, il n'est pas bien dans sa game, Shlaya. La solution de remplacement, voilà, on va pas voir le sang du jeu pendant quelques minutes, mais le temps que l'autre stream se stabilise, parce que je pense qu'il a une micro déco, et après je le remettrai tranquillement. Alors le Drake effectué de la part des Evil Geniuses, c'est parti, petit Drake dans l'escarcelle, histoire d'eux, ils sont bien, ils vont revenir, bah, je pense faire toc toc. Oui, bah, à la porte des AA. Ils ont commencé, de toute façon, ils ont déjà commencé à faire bien toc -toc, entamer les tours. Faire toc-toc à coups de tronc d'arbre. Ah, voilà. Exactement, à coup de bélier. Comment il s'appelle le bélier dans le Seigneur des Anneaux? Ah, je sais pas, le truc qui est tiré par des trolls et tout, ouais, avec le dragon et la tête de feu et tout. C'est pas la bouche du... Il y a la bouche de sang, mais la bouche du diable ou je sais pas quoi. Ou... Non, ça me semble un peu kikou. Ouais, ça me semble un peu kikou. Ça fait un peu Pirate des Caraïbes. Hein, le bouche du diable, je sais pas trop. Oh, j'aime bien le Pirate des Caraïbes. TP hein. de Shlaya qui arrive à choper Krepo. Krepo qui est isolé de sa team, et Yellow Pete qui ne dit qui a pas tout mis sur Shlaya. Peut-être qu'il aurait pu le tuer s'il avait tout mis, je sais pas. S'il avait mis ult, enfin, je sais pas, il a eu peur. Bon, Krepo se fait catch. Ça, c'est le problème aussi contre un Twisted Fate. Faut toujours être attentif à ce genre de situation. Parce que forcément, tu peux te faire attraper si t'es split de ta team et si ça suit bien. Et là, bonne réaction des AA. Ça leur permet de tempo. Ils prennent un kill par-dessus. Bon, c'est bien. Je remets la caméra 2 secondes pour voir si le stream, l'autre stream est là. De toute façon, il ne se passe rien. S'il se passe quelque chose, je vous avertirai. Il a pas... Il n'a pas l'air en pleine forme. Non, pas trop. Non. Il a besoin de quelques antibiotiques, je pense. On va continuer sur le stream. Ah, qui s'est mis à bugger aussi. Ah. Non, j'essaie de... Bon, voilà, pour l'instant, il y a ça, il y a le son. Il risque peut-être d'avoir un peu de lag. Ok, c'est reparti. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait là les AA, parce que ça leur permet, à Nono de farm un peu. Ils ont besoin que cette Tristana farm énormément dans la game. On remarquera que Shlaya est revenu à un montant de creep. Pendant toutes ces phases de split push, ça lui a permis d'accumuler des creeps. C'est un peu plus correct déjà, il reste très loin derrière le Z de Wickd. Oh, tentative de trappe des IG qui vont tenter d'engage peut-être. Attention, on a Renekton qui est dans la mêlée, c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour les carries des AA. Oh, Krepo qui tombe. Quel ulti de la part de Froggen. C'est magnifique qui arrive en plein milieu. Le jump pas de Nono, mais qui se fait poursuivre par Snoopeh. Le joli stun, mais il se fait finir par Wickd. Zed est là, Zed est là. Et le teamfight qui tourne à l'avantage des Evil Geniuses. Complètement. Et pourtant, les AA, je pense, ont été attentifs à la survie de leur carry. Quel ulti de Froggen. Mais l'ulti de Froggen, vraiment très bien timé. Il a réussi à en toucher 3. Pourtant, ils n'étaient pas vraiment paqués. Hein. Mais à la limite de la range de son cercle d'ulti, il a réussi à en choper 3. Ça a fait la différence. Et après, Wickd a été très attentif, a bien suivi et a fait la différence. Et du coup, c'est un inhibiteur qui tombe. Le premier de la partie, et bien souvent dans cette LCS Europe, qui dit inhibiteur. 90%. Ouais, enfin en tout cas c'est c'est énorme, c'est genre, enfin, il n'y a qu'une game sur 5 où la situation se retourne, tu vois. Donc vraiment le pourcentage est, voilà, c'est 80%, on va dire. Le pourcentage est très élevé, donc gros pourcentage de victoire pour les G. Et en plus, enfin, si avec l'inhibiteur noir, mais il y a en plus un gros avantage au gold. Je pense qu'il y a un bel avantage à la composition en team fight. C'est pas simple pour les AA là de tenir. Et Nono a réussi à résister un peu, hein, mais il est mort également malgré la barrière, malgré sa ceinture du géant. Il est tombé et on a un petit lag. On est désolé. Ah, c'est reparti, on dirait. Alors, ce sera. Alors, je vais faire attention parce que. Du coup, on va pas vous mettre le son de celui-là, le temps qu'il se remette normalement. Bon, on n'a pas de son pendant un moment, mais c'est pas grave. Peut-être que tu devrais virer le son de celui-là aussi. Non, il est déjà viré, je crois. Que je l'avais vu activer, donc... Non, il n'est pas là. Ok, alors bon, on va voir ce que les IG vont décider de... Ah, on est avant le teamfight, là, en fait. Ouh, bah ouais, il n'y a pas d'inhibiteur tombé. Oui. Ça ne repousse pas, Noah. C'est comme l'herbe derrière Attila. Bah, on... Ok. Alors, du coup, on va... Je cherche la solution, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, après... Je vois pas beaucoup de surprises arriver dans la game. Non, moi non plus. Là, voilà, l'inhibiteur qui est tombé là-dessus. Et Wickd qui prend le bleu. Ils ont pété l'inhibiteur du mid, ils ont pété la tour du bot ou elle était déjà pétée, j'ai un doute. Non, je crois qu'ils l'ont pété. Ils l'ont pété et donc du coup, ils effectuent leur back, les IG. Bon, là, on va pas se faire d'illusions, hein. Ils sont vraiment bien dans la game. Les joueurs des Evil Geniuses. Alors, est-ce que les AA vont tenter un baron Nashor un peu désespéré, ou est-ce qu'ils y croient encore suffisamment pour se dire non les mecs, on continue à faire en sorte que Tristana farm, qu'elle se stuff. 6-3-2 quand même, un Nono fait une bonne game, mais à côté de ça, Yellow Pete en fait une meilleure, 9-3-8, il fait d'excellents teamfights, Yellow Pete, il cale un bon montant de dégâts et bon bah Nono qui fait des pieds et des mains pour survivre en teamfight, mais ça suffit pas hein, parce qu'en face, il y a tellement de jump que c'est dur, que c'est très dur pour Nono d'arriver à survivre. Le Nashor qui est Krepo qui reprend le map control. Le Tristana qui a fait la lame du lézard. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Mmh. C'est étrange. Ça, je trouve que c'est un choix bizarre par contre. Parce que bon... Enfin, ok, ouais, il y a de l'AD, il y a de l'arrêt du cooldown, mais je sais pas, enfin, la régène point de vie et de mana, je pense pas qu'il y en ait forcément besoin. Le bonus sur les creeps, je pense que c'est, enfin, je pense que c'est inutile pour Tristana à ce moment-là de la partie. Donc je sais pas, attention, petit ulti de Twisted Fate, histoire de checker les positions des Evil Geniuses. Ils ont été repérés, on a un engage, mais il y a l'ulti, il y a Malphite, le TP de Malphite, sur la wouah. Oh, ça va faire mal, ça va faire très mal, attention, là, il y a que les bourrins des AA qui sont dans la mêlée. C'est Wickd qui utilise son ulti finalement, qui va faire très très mal, et regarde, il tombe. Les gros des AA sont en train de se faire défoncer. Double kill pour Z, un petit kill pour Yellow Pete, et regarde Froggen, BAM! Et il reste Nono, tout seul. Mais j'ai bien aimé l'intervention de Froggen, il arrive dans la fight, il a même pas regardé. Non, il a dit genre, bah, c'est bon les mecs, vous les gérez, moi je vais gérer les carries. Voilà, exactement. Moi je vais gérer les carries. Je vais aller chasser les deux autres. Et Nono qui est full life, qu'est-ce qu'il a fait dans la fight? Je l'ai peu vu. J'ai vu, il y avait les trois, il y avait Taric, Nasus et Renekton dans la mêlée, qui ont fini par, par tomber sous le DPS de Yellow Pete et de Wickd, mais alors là, franchement, je sais pas. Et alors, un inhibiteur qui tombe. Ils vont finir. Ah là là, c'est compliqué. Ils vont finir là-dessus, ils vont finir. Wickd, signe d'un Z, noir, qui veut dire Zoro. Et on a le Nexus à poil, c'est parti. Est-ce qu'ils vont pouvoir le finir, les IG, les A qui vont tenter de le défendre à tout prix? Oh là là, il pique des pops. La Tristana qui tombe, le Nexus qui tombe. Victoire des IG, assez facile finalement. Ça s'est dessiné depuis l'early game, noir, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est... Non, mais ils ont fait une très bonne game, là, les G. Ils avaient une bonne compo, et vraiment, ben, Shlaya, qui n'a eu aucun impact sur cette game. Keralus, qu'on n'a pas beaucoup vu. Le pick Twisted Fate, bah, il s'est fait ruiner en team fight. Il fallait qu'il l'accompagne mieux, Twisted Fate, honnêtement. Il fallait qu'il l'accompagne mieux que ce qu'ils ont fait. C'est vraiment dommage. Pique Twisted Fate dans ces conditions, c'est que tu dois l'aider forcément. Ils l'ont pas fait et ils se sont fait punir parce que les IG, c'est pas des bisounours, c'est des joueurs d'expérience. Ils savent très bien quels sont les enjeux dans une partie. Ce Twisted Fate en était un. C'était une faiblesse dans l'armure des AA et ils ont bien visé le point faible, Noah, ils l'ont cassé en deux, Shlaya, et du coup bah après ils ont assuré et ils avaient une composition qui était très intéressante, les G, du jump, des persos très forts. Et l'égalité au score pour les AA, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ouais, et les G du coup qui reprennent un peu d'avance. Ils étaient en négatif et ils se reprennent, ils arrivent à stabiliser. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé cette game, c'était intéressant. Les As sont bien battus. J'y ai cru par moment, mais voilà. Enfin, les pics des IG étaient très bons.